Là, il arrive l'île des lions. Si on prend un peu les sourcils, c'est le bout du monde. Je te le dis, hein, voilà, je te le dis, j'appréhende vraiment. Hein. Alors, tu sais quoi? Fais-moi fermer ma gueule et je m'excuserai. Gagne-moi ces deux prochains matchs contre l'île des lions, mes frères, tu sais quoi? Mais je mangerai si tu gagnes les deux prochains matchs. Je te le dis, hein. Allô? Ouais, Donatello? Non, c'est qui? Leonardo? tu es con, ça va ou quoi? Tu vous déranges pas? Ouais, dis-moi, t'as Splinter pas loin? Ouais, tu me le passes s'il te plaît? Allez, merci, la bise à tes frères, hein? La bise, ciao. Allô? Ouais, Splinter, comment c'est? Ça va ou quoi? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Eh oui, mais comme une fois je t'ai dit de pas manger dans des snacks sur la canne bière, gros. C'est pourri là-bas. Bon, ça va mieux? Ouais. Non, je voulais te voir là. Cet après-midi, tu as 5 minutes. Hein? Le bruit? Ah, eh ben mais figure-toi que hier je suis allé au gros festival. Et je me suis acheté deux katanas. Et justement, comme je sais que toi avant, j'étais prof d'arts martiaux, je voulais savoir si je veux passer 5 minutes à la maison. Eh non, 5 minutes, gros. Il n'y en a pas pour longtemps. Ouais. Ouais, on fait ça vite. Ça va? Allez, ça va. 4 heures? Allez, on dit 4 heures. Impeccable, 4 heures, gros. Allez, nickel. Ciao. Ciao, bisous. Ciao. Voilà, c'est bon? Je vais me le manger, le rat. Ça va, laisse-moi le temps. Putain, en plus, tu me diras, depuis le temps que je rêve de me faire ramayade, là, je mangeais un ramayo. C'est tout bénef. Bref, parlons peu, parlons bien. Ce petit match d'hier contre les Lyonnais. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant d'appétit pour faire un débrief. Donc premièrement, on va parler de quoi? De l'ambiance, gros. De l'ambiance avant le match. Parce qu'il faut savoir que moi le matin, j'étais au Hero Festival, au Parc Chano. À midi, ça craquait déjà des fumigènes et ça chantait déjà. Il faut savoir. Après, sous ce boulevard du Prado, frère, c'était... Mais c'est quoi? On est où? C'est quoi? C'est l'Argentine? C'est quoi? River? Boca? C'est quoi? C'est un truc de fou. Où c'est en France? Où c'est en Europe? À part peut-être en Turquie, que tu as des ambiances comme ça, gros. Où c'est? Des tifos, les lumières, les... Ma parole hier, c'est quoi? Quand j'étais comme ça, avec mon carré blanc, d'ailleurs, à un moment donné, je te le dis, j'avais mal aux épaules, hein. Mais je regardais à droite, comme ça, les cuissons, je vois. Je regardais à gauche, virage sud de la bonne mer. Oh, ma parole. J'avais les larmes aux yeux. L'émotion, les frissons. Mais quelle fierté, gros, comme ça tout le long du match. Quelle fierté d'être Marseillais, gros. Non, mais ne me dites pas, n'importe quel club en Ligue 1, que tu rêves pas d'avoir ces supporters-là. Tu les rêves, les supporters marseillais, dis-le. Non, mais dis-le, enculé, que tu es. C'est magnifique, c'est magnifique, alors faut le dire. Ces dernières années, il y avait souvent des grosses ambiances comme ça, mais qui se soldaient tout le temps par une défaite, par un match nul. On partait du stade, on était un peu dégoûté, on dormait mal. Mais là, frère, en plus on a gagné, mais comme j'ai bien dormi, gros, j'ai dormi au moins 10h60, j'ai dormi. Tu rigoles? Ah, trop méchant, trop méchant. Alors après, voilà, dans l'ambiance, ok, les joueurs, merci. Merci les joueurs, voilà ce qu'on vous demande. On veut que ça nous, de la grinta, de l'envie, de l'agressivité, montrer que tu es chez toi et surtout de la détermination. Parce que je te garantis que hier, Payet, quand il est rentré sur le terrain, il est rentré comme ça. Noire parole. C'était pas Payet, c'était Bruce Lee, gros. C'était pas Nunchaku, c'était Nunchaku. Il est rentré comme ça. C'est fou, il m'a régalé, il m'a... Alors je vais t'expliquer hier un peu le match de Payet. Tu sais ce que c'était? Tu sais ce que ça fait, Payet? Ça fait ça. Voilà! Et tu as mis des paillettes dans ma vie, gros, hier, je te le dis. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu choisis tes matchs ou quoi? Et joue tout le temps comme ça. Joue tout le temps comme ça, je te le dis. Il est fada, lui. Oh, tu l'as vu? Ton deuxième but. En boucle, je regarde depuis hier. Je me le mets en replay, j'en peux plus. Tu es là, tu as la récupération du ballon, tu fais le jeu, tu as la finition. Mais bien sûr qu'on t'acclame, c'est ça qu'on veut nous. C'est ça le Payet qu'on veut. C'est lui qu'on investit, c'est lui notre top player. Sans déconner. Mais non, tu fais ça tout le temps, je te le dis. Non mais là, il y a la trêve, c'est bien, vous allez être content, vous allez savourer, hein, champagne vol au vent. D'accord,
Y a pas de souci. Mais quand on reprend là, et Toulouse, et Metz, et Angers, et Bordeaux, tu as intérêt d'être le même. Hein? Ne choisis pas tes matchs. Tu nous as régalé, soit comme ça, tout le temps, gros. En fait, moi là, après les joueurs, au-delà de Payet, je parle de lui, mais bon, au milieu. La bataille du milieu. Je l'avais dit, ouais, je suis soufflé, ferme ta gueule. Je te l'avais dit, hein. Sur Maritima, il faudra gagner la bataille du milieu. Et qu'est-ce qu'on a été? Qu'est-ce qu'on a été vaillant au milieu? Rongier, toujours le même. N'Golo Rongier, Valentin Rongier, toujours pareil, c'est un monstre. Il me régale. Et Morgan Sanson. En deuxième mi-temps, j'étais sur son côté. Quand on était à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure et qu'ils ont eu une demi-occasion, gros. J'étais sur son côté, ma parole. Mais impressionné. Allez, retour, allez, retour, allez. Oh, c'est quoi, frère, tiens, un coffre, gros. Ah, mais c'est un coffre de C4 Picasso, cette place. C'est pas Morgan Sanson, c'est Morgan Sansu. Comme ça, il est à Dubois. Tu bouges pas, je t'ai dit. Régalant. Régalant. Merci, les gars, merci. Je vous remercie, oui. Parce que ça fait plaisir. On a joué début de saison. Deux matchs en bois, j'étais au fond du gouffre. Après, tu as été bon. Tu as été pourri. Tu as pris 4-0. Coupe de la Ligue. J'étais encore au fond du gouffre. Et là, tu me gagnes ces deux matchs. Depuis la trêve, tu prends 9 points sur 12. Bravo, les gars. Bravo. Vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas triché. À l'image de notre coach, vous ne trichez pas. Et c'est pour ça que j'ai mis ce coach. Parce que j'ai l'impression que le joueur s'inspire un peu de sa mentalité. D'ailleurs, voilà, hier, une fois de plus, il a été bon. Il a été bon, VB. J'avais juste pas compris le choix Lopez à droite. Mais à l'arrivée, regarde, Lopez, il fait la passe D à Payet. Donc, V, ça lui a donné raison. Moi, la seule petite déception que j'ai, petite, gros, je te le dis, c'est Pipa. Parce que Pipa, contre Lille, Lyon, Paris, il s'est pas créé une occasion. Alors que des fois, il y avait la place. C'est pour ça que ça me fait chier, parce qu'en plus, moins il marque, et moins il a confiance. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre confiance. Donc, Pipa, reviens-nous vite, s'il te plaît. On le sait, tu as les capacités. Mais au fond, marque des buts, tu en as besoin, et nous aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que là, des fois, il faut qu'il joue perso, il joue collectif, comme hier où il peut mettre une demi-volée. Et des fois, il faut qu'il joue collectif, il joue perso. Donc il y a un équilibre à trouver, mais franchement, je suis serein. Je suis confiant, gros, je suis confiant. Voilà, petite déception de Alvaro qui prend un rouge. Après, attention, moi je n'en veux pas. Hein. Frère, il faut savoir que je crois que c'est un des seuls joueurs qui prend un rouge. Ouais! Il a été acclamé, gros. Et parce qu'on le sait que peut-être s'il prend pas le rouge, il y a deux partout, parce que Dembélé partait seul. Donc c'est une faute utile. Bravo! Bravo! Les gars, bravo, voilà, je peux rien vous dire de plus. Merci beaucoup de nous avoir rendu nos couleurs, notre fierté. Même ce matin, la mairie. Ah, ils ont mis la sirène, gros. C'est parce que tu as gagné. C'est férié aujourd'hui. C'est parce que tu as gagné, je te le dis. Y a pas de 11 novembre, là, Michis, y a pas, gros. L'OM, ils ont gagné, bam, c'est férié. Tu as compris. Après, je vais rapidement quand même parler un petit peu des Lyonnais. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas trop aimé. Déjà, premièrement, les joueurs. Quand on leur dit, ouais, alors, le stade, ça vous a impressionné? Non? Ah, non, non, moi, franchement, non. Comment ça, non? Avant le match, pendant l'échauffement, tu étais en train de filmer les tribunes, gros. Tu étais en train de te branler comme ça. Tu étais impressionné? Ouais, non, ça va pas terrible. Arrête un peu, mytho, que tu as bandé, tu étais à fond, tu étais. Alors, entre ça, bon, Garcia, j'en parle pas parce qu'il a fait le canard. Hein. Il a fait le canard, il a baissé la tête comme ça. Et tu as vu quand il a marqué Dembélé? Ah, il croyait qu'il allait égaliser. Tu égalises, mon vieux, tu égalises, gros. Voilà, merci d'être allé à Lyon. Tu nous as prouvé que toi, les grands matchs, c'est pas pour toi. Et dernier, le mot de la fin, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui s'est plaint de l'arbitrage. Jean-Michel Aulas qui s'est plaint de l'arbitrage. Tu es sérieux? Oh, tu es sérieux, Jean-Michel? Non, il faut le dire quand même les choses. Tu peux pas te plaindre toi de l'arbitrage, gros, après toutes les fois où tous les Olympicos, où tu as eu des pénaltys, tu as eu des cartons rouges, tu as eu des buts pour nous qui n'ont pas été validés. Tu te rappelles comme poste sur la ligne que s'il y a eu la VAR, un match sur deux, on était pour nous. Et là, tu oses te plaindre de l'arbitrage, mais tu n'as pas de figure, quoi. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. C'est simple, moi quand hier il a parlé au micro de Canal Plus, j'ai entendu ça. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà, on s'en fout. On a pris 3 points, rentre à la maison, on est deuxième. Et maintenant les gars, s'il vous plaît, jouez comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et c'est sûr et certain qu'on restera à notre deuxième place. Il faut pas oublier de dire que on a fait tous ces matchs, battre Saint-Étienne, battre Monaco chez eux, battre Lille, battre Lyon, sans Flotowin. Donc quand Flotowin va revenir, en gros, je commence à être un petit peu confiant. Un petit peu confiant, je te le dis. Hein. Mais ça, c'est les Marseillais. Dès qu'on gagne deux matchs, on s'enflamme. Calme-toi. Calme-toi. Respire, savoure ces victoires. Régale-toi un peu. Regarde ce qu'il faut. Mets-la en fond d'écran. Mets-la en photo de profil. Mais en attendant, on a pris 3 points. On est deuxième. Et tout va bien. Allez, je te file les bisous. Ciao, ciao.